Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de Austin, donc on va parler un petit peu des sciences du langage. Je n'irai pas en profondeur avec Austin, mais je vais vous donner quelques clés de compréhension pour vous permettre aussi de vous situer dans tout ça. Donc Austin, comme toutes les personnes qui travaillent sur le langage, cherche à créer des catégories pour déterminer ce que font les mots. Et Austin y repère deux catégories importantes pour lui. Les constatatifs, donc ceux qui permettent de constater, il fait beau, il fait mauvais, tensalmine, et une autre catégorie un peu plus particulière qui va plus nous intéresser parce que c'est ça qui va le plus influencer les sciences humaines, c'est son apport le plus important dans les sciences, c'est les performatifs. Les performatifs, qu'est-ce que c'est? Donc performer, performant, l'idée étant que les performatifs, les phrases ou les mots, nous font faire quelque chose ou font quelque chose ou permettent de changer le monde au moment où ils sont énoncés. Donc l'idée est assez simple. Par exemple, et c'est souvent, les performatifs sont souvent dans des cadres prédéterminés, donc on parle souvent des jurys, on parle des prêtres. Donc l'idée étant que quand on prononce cette chose-là, quand on prononce un performatif, on influence et on modifie l'état, donc le monde dans lequel on est. Donc si vous êtes à un mariage, on va vous dire, le prêtre ou le maire va vous dire, vous êtes marié et femme. Et à partir de ce moment-là, votre statut a changé. Et quand il l'a prononcé, il a changé votre monde. Ça marche aussi avec le juge. Le juge va dire « Je vous condamne à tant d'années de prison ». En faisant cela, il change votre statut et il change votre monde. Donc l'idée la plus importante avec les performatifs, c'est de comprendre que Austin a découvert des phrases ou des mots, enfin une catégorie, qui permet de faire quelque chose ou de faire quelque chose sur le monde. Donc c'est important à comprendre et à saisir et à intégrer que de montrer l'influence du langage sur les agissements, sur les actions en fait des individus. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.